peuple. Voici les infos quiz avec Albert de Labradue. Bonsoir, voici les infos quiz avec à ma droite la famille Trisbic. Ouais. Et à ma gauche, la famille Bistric. Ouais. D'abord, les fameuses élections aux États-Unis, c'est dur, mais il faut choisir entre décréter... Entre deux crétins ? Entre décréter le décompte manuel ou la reprise complète du tour de scrutin. Oh, côté démocrate, on ne rêve pas en couleur, mais M. Gore affirmait, pendant qu'une fanfare défilait en son honneur, qu'une major... Qu'une majorette, c'est bien, mais une majorette toute nue, c'est mieux. Qu'une majorité républicaine serait souhaitable à la Maison-Blanche. Oh, je le savais, mais je le savais pas. George W. Bush, de son bureau au Texas, a affirmé être convaincu que celui qui gagne en politique, c'est l'émule... C'est les multinationales. C'est l'émule de Dieu. Oh, je l'ai raté. Le candidat décrit ce décompte des votes en disant « Je suis assis entre deux chaises, je suis à la maison avec ma femme, même la bourre... » Même la bourrée ne m'intéresse plus. Même la bourse réagit mal à cette incertitude. Même les sondages qui précédaient le jour d'élection n'ont pas pu dire si les Américains préféraient Bush à Gore ou Gore à Bush. Ou Bush à Bush ou corps à corps. Ou bord à gauche ou chougabord. En l'air, entre que mer que... Interrogé sur ses intentions durant sa jeunesse, George Bush répond que très jeune, il avait une bien... Il avait une BMW. Il avait une bien vague idée de ce qu'il ferait dans le futur. Ah, foutre de poule. Il n'y a pas que la Floride qui a connu un décompte serré. Dans certains états, on a tenté de tester les totos. À toto de tata. Oh, de son côté, après son accès au Sénat, Madame Hillary Clinton a commenté la situation électorale en Floride en disant qu'une technique d'élect... Qu'une technique délectable avec la langue est indispensable pour arriver au pouvoir. Qu'une technique d'électorat différente s'impose en Floride. Parlons de Madame Clinton, ses détracteurs aux États-Unis dénoncent le fait qu'elle ait joué publiquement l'épouse compréhensive durant les frasques bien connues de son mari, uniquement pour réussir l'accès au Sénat. Donc Madame Clinton, sénatrice, c'est parce que Madame Clinton... C'est une actrice. C'est une bonne réponse. Culturel maintenant, questionné sur son désir de chanter avec des artistes populaires comme Bono et Madonna, Luciano Pavarotti a répondu cavalièrement à notre journaliste que dans la musique, il n'y a pas que Mozart et Cass... Et casse-toi de là. Et casse-noisette. La musicale dramatique Notre-Dame de Paris est retirée de l'affiche à Las Vegas. De toute évidence, le public américain a dû... A du goût ? A dû se rendre à Londres s'il voulait voir le spectacle.